jour matin, je suis sorti de la clinique. Après 20 ans d'un coma éthylique, végétant dans un lit en carafe, j'avais sauté quelques paragraphes. J'ai bien cru que j'avais la berlue. Rentrant chez moi à Chevilly la rue, je vois deux mecs poilus comme des gorilles qui se roulaient des pelles sous la charmille. De nos jours, me dit mon pote Nénès, on n'a plus honte, on fait ce qu'on veut de ses fesses. Et même moi, qui ne suis pas un pervers, j'ai ploté les noix de mon beau-frère. La plupart s'assoient sur la morale, même l'échangisme est une pratique banale. Les bobos, aussi bien que les prolos, prêtent leurs femmes comme ils prêtent leurs vélos. Adieu nos complexes aujourd'hui, j'avoue qu'au niveau du sexe y a plus de tabou. Un homme et une femme, ça ne se fait guère plus, mais essayez, vous verrez, c'est pas mal non plus. J'appris donc que la chaisière de l'église s'était paxée avec ma tante Élise, que Jojo, le coiffeur de mon tonton, s'est toqué d'un tondeur de mouton. On m'a dit que ma cousine Marinette, qui a le rouge au front et au cul la tempête, est folle d'une vulcanologue d'enfer qui la secoue sur l'échelle de Richter. Ferdinand a une chevrette aimante, jamais une scène est toujours consentante. Nicolas aime son dindon Joël, qui est tellement stressé quand vient Noël. Anaïs, que les grands singes tentent, va fantasmer jusqu'au jardin des plantes. Son mari, qui s'est laissé tenter, ne peut plus dormir que sur le côté. Adieu nos complexes aujourd'hui, j'avoue qu'au niveau du sexe y a plus de tabou. Un homme et une femme, ça ne se fait guère plus, mais essayez, vous verrez, c'est pas mal non plus. Philibert est fou d'un légionnaire qui l'a séduit en camp disciplinaire, mais la brute quitte à son petit œillet pour un dromadaire qui s'agenouillait. Entre-temps, j'ai appris que ma Suzanne vivait avec une capitaine des douanes, et c'est pour mettre un baume sur ma détresse que je m'habitue doucement à Nénès. Adieu nos complexes aujourd'hui, j'avoue qu'au niveau du sexe, il n'y a plus de tabou. Un homme et une femme, ça ne se fait guère plus, mais essayez, vous verrez, c'est pas mal non plus.